bienvenue sur la cinquième et dernière étape de la semaine Coppi Bartali. Issue d'une échappée de 11 coureurs, avec Cavagna, son équipier, Carboni, Martin, Vandal, Vandenbosch, Cortese, Vandenberg, Paco et Mens, eh bien, Joseph Tcherny est sorti donc en solitaire à 25 km de l'arrivée. Derrière, Goldstein a été distancé par Rémi Cavagna. On a donc deux coureurs, l'un derrière l'autre pour la formation Quick-Step Alpha Vinyl, à l'avant de la course, tandis que derrière, on a vu que Eddie Dunbar a attaqué dans la dernière difficulté, mais les favoris se rapprochent, ils ont eu jusqu'à 8 minutes de retard sur l'échappée du jour, mais l'écart est plus de 4 minutes, tandis que devant, vous voyez que Tcherny avec Cavagna, Tcherny a attendu son équipier, le champion de France, mais finalement, Rémi Cavagna va laisser la victoire à son équipier, Joseph Tcherny. Derrière, on voit Goldstein, donc, qui finit à la troisième place, tandis que pour le sprint du peloton, eh bien, un peloton qui va franchir la ligne avec un retard de 4,23 et Eddie Dunbar remporte le classement général. Ici, vous voyez donc le top 10 de cette ultime étape de la semaine, Coppi Bartali, tandis que vous voyez ici le classement général final avec la victoire de Dunbar devant son équipier Telet et troisième, Marc Hirschi, a noté l'abandon de Œil de Bruxelles.